Once upon a time, there was a lovable bear named Winnie the Pooh. Vinyl. L'ours. That's him. Oui. That's Winnie. Vinyl. Yeah, he's my buddy. And I never go any place without him. L'ours. Oh, la 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 la. La 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 la. Treedle, 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 treedle. Le livre de la jungle, Soledad. Tu as à savoir, c'est que... Cherche le mini-minimum, le mini-mini-minimum. Oublie tes ennuis, oublie tes tracas. Avec un mini-minimum, on nourrit un ours et un homme. Et le reste, après tout, ne compte pas. Je sais pas si c'est un espèce de souvenir vachement chaud et qui donne, c'est super dur ton truc en fait. Ça fait partie d'un disque avec toute l'histoire. Moi, ce qui me plaisait surtout, c'était l'histoire. Ça commence avec la voix de Bagheera, qui a une voix absolument sublime. Et en même temps, c'était très étrange parce que pour moi, Bagheera, c'est un prénom de fille. Oui, mais non, il a une voix super masculine et grave. C'est pas du tout une femme qui parle, c'est un homme. Un homme avec une grosse voix comme ça. C'est un peu, je sais pas, la voix, ouais, sans doute un truc un peu parallèle avec mon papa. On raconte une histoire étrange sur la jungle de l'Inde, mais aucune n'est aussi singulière que celle d'un petit homme nommé Mowgli. En fait, j'adorais écouter ça parce que c'était un vocabulaire incroyable. Et je sais pas, J'avais 5 ans, je l'écoutais dans un... J'avais 5 ans, je l'écoutais au manche-disque. C'était mon truc, je sais, comme un ami qui venait tous les jours et qui me racontait la même histoire. Et j'avais en plus une petite bande dessinée et je regardais les images. Et évidemment, le jour où j'ai pu voir le dessin animé, c'était genre un truc de malade. C'était dans ma chambre, mon manche-disque était rouge, et voilà, et je mettais le disque, et c'est un 33 tours, mais ça me paraissait plus petit qu'un 33 tours. Non, mais j'avais peut-être un tourne-disque, hein. Il était rouge, voilà. Je l'ouvrais, il était en plastoc, et je mettais, voilà. Il y a un moment, je pouvais raconter le disque en entier, je connaissais toutes les chansons par cœur, et évidemment... Évidemment, je trouvais ça dingue, la petite fille à la fin. Voilà, j'avais envie moi aussi de mettre une espèce de jarre sur ma tête. Et... Le mini mini minimum, oublie tes ennuis, oublie tes tracas. Avec un mini minimum, on nourrit un ours et un homme, et le reste après tout ne compte pas. Il y en a qui cherchent des mondes inouïs. Oui, mais moi je n'aime que celui-ci. S'il y a des abeilles plein le ciel, c'est pour s'occuper de mon miel. Et l'herbe, tu sais qui chante? Si généreuse qu'elle vient me tendre des fourmis. Alors gracieuses pour mon petit déjeuner. Bah tu sais? Non. Bah c'est Balou. Les blagues à deux balles, putain. Le mini minimum, bah mais ça ne manquera pas. Pour toi et moi, cherchons le mini-minimum, le mini-mini-minimum. Est-ce que tu crois que la voix de Mowgli, c'est une fille, une femme ou un petit garçon? Écoute bien. Mini-minimum, on nourrit un ours et un homme, et le reste après tout ne compte pas. Yeah. Et le reste après tout ne compte pas. Oh, yeah. Ah, être un ours, moi ça me plaît. Voilà qui est parlé, petit. Je suis sûr que tu vas faire... J'ai pas l'impression que la voix qui chante et la voix qui parle soient la même. Et la voix qui chante, maintenant que tu me fais réfléchir et que tu détruis mon souvenir, c'est une femme qui chante. Et par contre, la voix du petit garçon, ça reste une voix de petit garçon. Eh ben, c'est Annie Cordy. Ah, t'as pas le droit, t'es vraiment un rat. T'as pas le droit. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment trop con. Vinyl. L'ours. Vinyl. L'ours. C'était une émission du Poste Général.